Qui? Monsieur Pierre. Hein? Monsieur Pierre. Voyons! Monsieur Pierre. Passe à Pierre. Passe à Pierre. Qui t'en va quoi? Marabout. Tu es marabout? Oui. Parle de moi. Passe à Pierre. Oui. Tu es qui? Marabout. Parle de toi. Marabout. Tu es marabout? Oui. Tu es où? Oh. Tu es où? Tu es situé où? Bamemboro. 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 Bamemboro, c'est où? Ok. Bamemboro. Marabout. Oui. Qu'est-ce qui t'a amené sur ce croisade? Qu'est-ce qui t'a amené ici? Qu'est-ce qui t'a amené sur ce croisade? Je ne sais pas. J'ai tout fait. Mais je me suis retrouvé là-bas. Soyons calmes un peu. Let's be calm. Amen. Amen. Qu'est-ce qui t'a amené ici? Je ne sais pas. Hein? Je ne sais pas. Tu as fait tout et tu ne connais pas. Tu n'es pas. Qu'est-ce qui t'a donc arrivé? Je vous ai vu à distance. Tu m'as vu à distance? Oui. Et en où? Tu m'as vu où? Chez moi. Chez toi où? Bamemboro. Tu as utilisé quoi pour me voir? Je... Parle! Tu as utilisé quoi pour me voir? J'ai mes peines. Tu as utilisé quoi? Tu as utilisé quoi pour me voir? J'ai consulté. Arrête! Arrête! Tu as utilisé quoi pour me voir? C'est mes veines. C'est quoi? C'est mon. Tu as utilisé quoi pour me voir? C'est la reine. C'est là? Tu as utilisé quoi? La reine qui m'a dit que vous êtes là. Parle clairement! Qui? Qui? Ouais. Qui t'a. C'est qui? Parle au devant! C'est qui? C'est la reine. C'est la reine. C'est la reine qui t'a dit que quoi? Ouais. Qui t'a dit que quoi? Que vous êtes un chameau. Que? Un chameau. Arrête! Que je sais? Que je suis quoi? Vous êtes un chameau. Vous avez un chameau. Tout. Que quoi? Que vous avez venu détruire tout. Que je suis en train de venir détruire tout. Oui. Où? Bamemboro. À Bamemboro. Oui. Ok. Oui. Donc oui. Tu es marabout. Oui. Tu es marabout. Oui. Tu travailles avec le reine mère. Oui. Dans quel eau? Tout juste à côté. Dans le nom de l'eau. Dans le nom de l'eau. J'ai une source juste à côté de chez moi. Une source? Oui. On appelle la droite là où il y a l'eau que quoi? On appelle la droite que quoi? On appelle un doigt que quoi? C'est quoi? Oui, arrête! Chut! Oh, la mère de l'enfant! Tu vois, tu perdais ton enfant comme ça si tu n'avais pas amené le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Cet enfant, tu ne peux pas mourir. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Jesus name. Amen. Jesus name. Amen. Jesus name. Au nom de Jésus. Jesus name. Come back in Jesus name. Ton enfant revient au nom de Jésus. Jesus name. Elle confusait souvent. Oui. Elle faisait la confusion souvent. Oui. C'est ça qu'on voulait utiliser pour la tuer. Mais toi, tu ne vas jamais perdre ton enfant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de. Son nom c'est qui? Vanel. 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 Tout puissant des diables qui est contre toi, Vanel. On le détruit par le feu. Par le feu. Par le feu. Fire. 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 Allez,
Jésus. Vanel, tu es fort. Tu vois les démons dans Vanel. Tu vois les démons qui voulaient tuer Vanel. Qui es-tu dans Vanel? Qui es-tu dans Vanel? Qui es-tu dans Vanel? Toi, cet esprit qui veut prendre Vanel, je te commande de sortir par le feu. Au nom de Jésus-Christ. Vanel, soyez libérés par le sang de Jésus-Christ. Soyez libérés par le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. Soyez délivrés, Vanel. Au nom de Jésus-Christ. Soyez délivrés, Vanel. Soyez délivrés. Au nom de Jésus-Christ. Tu travailles avec la reine, mais comment? Moi, je prends les stagiaires. Par là, haut, tu vas. Si, je vais te détruire. Marabout, oui. Ne t'amuse pas. Tu sais que tu ne dois pas t'amuser. Oui. Hein? Oui. Quand tu regardes ici, tu vois quoi? Le feu. Tu t'amuses avec le feu. Ça va te brûler. Oui. Je commence d'avoir brûlé ton hôtel. Fais là-bas! Oui. Tu le retais! Oui. Tu te retais! Oui. Fais là-bas! Oui. Tu vas t'amuser encore? Non. Tout à l'heure, qu'est-ce qui est arrivé? Quand on va le feu? Hein? Je peux arriver. Expliquez. Non. Ça arrive chez toi? Oui. Où? Dans où? Mon temple. Dans ton temple où? Papa Membolo. Papa Membolo. Oui. Ok, maintenant, expliquez comment tu travailles avec la reine. Vite. Bon. Elle te donne souvent que j'ai des commandes de faire quoi? Vas-y. Je prends pour les stagiaires. Dis ce que exactement qu'elle dit de te faire. Oui. Moi, elle dit quoi? Je prends les intérêts des acheteurs des gens. Uh-huh. Oui. Tu prends ça comment? Bon, quand tu viens. Quand quelqu'un vient, parce que si moi je viens, tu vas mourir. Tu dis que quand tu viens. Non. Tu vois que je viens là-bas. Hein? Tu ne vas pas chez ça le client. Hein? Tu ne me vas pas. Tu viens là-bas. Hein? Non. Hein? Quand les gens viennent. Quand les gens viennent. Oui, surtout voilà. Avec les jeunes filles. Surtout avec les jeunes filles. Oui. Quand ils viennent, qu'est-ce qui arrive? Voilà, tu vois, tu es un homme, non? Oui, quand tu viens, surtout pour le lavage. Pour le quoi? Pour le lavage. Oui. Bon. Écoutez. Oui. Oui. Parce que nous, on a déjà une place bien. Voilà, tu vois. On a une place déjà bien arrangée. Uh-huh. On a enterré les écosses. Uh-huh. Les crânes. Oui. Les jujubes. Oui. Les calabasses. Oui. Les canaris. Oui. 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 Les canaris. Oui. Dis à la reine là de te laisser. Dis-la, je vais arriver dans l'eau là. Oui. Dis-la que ça va être grave dans l'eau là. Dis-la. Elle me donne son argent. Quel argent? Oui. Reine, je te déconnecte de ce monsieur. Parle maintenant, parle! Quand les gens viennent pour le lavage, oui. Dès que je prends la range, et on rit aussi les herbes, oui. Les dernières pompées, oui. On lave les jeunes filles surtout. Vous lavez les jeunes filles surtout? Oui. Uh-huh.
ils ont comme la chance, on reçoit tout. Vous recevez tout? Oui. À l'école, ils sont nuls. Hein? À l'école, nul. À l'école, nul. Oui, le mariage, nul. Le mariage, nul. C'est quoi? On leur donne les esprits, l'esprit de rejet. Allez, allez, vous leur donnez quoi? L'esprit de rejet. L'esprit de rejet. Ok. Mais physiquement, vous leur dites qu'est-ce qui va les arriver? Ils n'auront jamais le droit. Vous les trompez que quoi? Quand ils vont partir, qu'est-ce qui va les deux arriver? Quand ils vont partir, tout va aller bien. Tout va aller bien. C'est comme ça que vous les trompez. Vous les prenez de l'argent? Oui. On te donne souvent comme combien? Je prends, il y a les gens qui donnent 9 000, 9 095 francs. Pourquoi tu mets 95 francs? Bon, selon notre, ce que la reine nous a demandé de faire. La reine-mère vous a demandé de faire. Mm-hmm. Et les gens croient que tu es en train de faire le bien à eux. Alors que tu es un agent démoniaque. Tu es là pour détruire les peuples de Dieu. Je vous ai dit ici l'autre jour, non? Qu'est-ce que je vous ai dit ici l'autre jour? Que c'est comme ça les marabouts, non? Que les marabouts, c'est le qui? C'est le diable, c'est les agents de... C'est le quoi? Les agents démoniaques, ils sont là pour vous prendre et donner au diable. They take from you and give to the devil. Voilà, ça c'est pour les filles. Et les gens qui sont malades, ils font. Tu lances aussi les maladies, non? Oui. Tu lances les maladies comment? Je leur lance les maux de tête. À qui? Aux malades. Voilà, au toi. Surtout aux jeunes filles. Mon problème c'est les jeunes filles. Ton problème c'est les jeunes filles? Oui. Ok. Il y a quelqu'un qui était parti chez ce marabout. Il est où? Même toi aussi tu es parti là-bas. Oh! Pour le lavage. C'est vous qui cherchez même le lavage. Oh. Tu es parti là-bas? Hein? Oui. Il t'a fait quoi? Bon, nous sommes au quartier ensemble. Oui. Bon, l'autre fois sa femme est venue avec le maïs. Nous on a porté ça pour mettre chez lui. Chez lui? Oui. Hein? Tu m'as trahi. Hein? Quoi? Tu m'as trahi. Parle à toi! Oui. De quoi? Oui, tu m'as trahi. Parle à toi! De quoi? Oui, tu m'as trahi, tu m'as trahi. Je t'ai trahi. Oui. Je suis venu pour trahir l'obscurité. Oui. 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 Vous tous comme ça? Vous êtes parti chez ce marabout. C'est Massa qui? Monsieur Jean-Pierre. Monsieur Jean-Pierre. Massa, tu es parti aussi faire comment là-bas? Quand j'étais petit, mes parents m'emmenaient là-bas. Un temps, j'ai fui seul. Oh. Tu es parti faire. Tu as fait quoi là-bas? Oui, Dadi. Tu es parti pour le lavage? Oui, Dadi. Soyez calme. Attends. Attends. Quand tu veux les laver, comme tu es un homme là, tu lèves les habits. Oui. Il lave comment? Nico? Oui. Même les grands filles? Oui. Hein? Oui. Quand tu les laves comme ils sont nuits là, ça ne te dit pas que tu fais quelque chose avec eux? Non. Tu ne fais pas? Non. Okay. Parce que j'ai déjà eu tout ce que je voulais. Tu as déjà eu tout ce que tu voulais? Oui. Tu es déjà satisfait? Non. Ok. Je serai satisfait aujourd'hui. Toi? Tu es parti là-bas, il était en classe. Ça n'a pas duré. Ça a duré ça, peut-être. Ça fait 3 ans. Non, tu as quel âge maintenant? J'ai 28 ans. 28 ans. Donc tu es parti là-bas à 25 ans. Oui, tu étais déjà un grand fille. Avec les 5 parents. C'est le père qui... Arrête! Arrête! Tu étais déjà tout comme un grand dame. Tu es parti, on a levé tous tes habits, c'est ça? Oui, hein? Nico, même le calisson, on l'a levé. Okay. Est-ce que c'est moi qui dis? Et le gouvernement est là. Il voit les marabouts qui sont en train de faire grave. Mais quand on ouvre une église, on va fermer parce que vous faites des bruits. Voilà les marabouts qui sont en train de faire des... Et le
là-bas, ça t'a apporté quoi? Toutes les choses graves. Le Seigneur Jésus-Christ va te laver maintenant. Hein. Mais ça enlève tes habits. Toi aussi. Tu es marié. Non, Dadi. Hein? Non, Dadi. On a aussi pris tes maris. On t'avait lavé aussi. Oui, Dadi. Toi aussi. Hein? Oui, Dadi. Le monsieur là t'a lavé aussi. Oui, ma aussi. On t'a lavé aussi. Oui. Toi, maman, on dit comme ça. On t'a lavé aussi. Oui. On t'a lavé. Oui, Dadi. Mais c'est une femme qui m'a lavé dans l'eau là. Oui. Mais on t'a lavé. Même toi aussi. Hein? Oui. On t'a lavé à quel âge? Non, il ne m'a pas lavé. Je suis allé là-bas quand je me suis marié avec mon mari. Oui. Arrivé au salon, j'ai admiré le salon. Le salon m'a étonné. Donc j'ai dit à mon mari qu'on part. Il m'a amené. Arrivé à Rouge, je lui ai dit de ne plus jamais m'appeler. De ne plus jamais m'amener là-bas. Oh. Donc un bout de temps, mon mari est mort. Il n'a jamais assisté à savoir s'il ne vit pas ou pas. Et il était avec lui matin, midi, soir. Le nom de ton mari, c'est qui? Tu veux la vérité? Oui, mon père. Ton marabout est là, il va parler. Tu veux la vérité, ton nom? Je m'appelle Talia Emilien. Le nom de ton mari? Mekontu Philippe. Mekontu Souris Philippe. Quel tu es Mekontu Souris? Quel tu es Mekontu Souris? Qui as-tu? C'est moi. Parle-toi. Pourquoi tu avais tué son mari? C'était pour remplir mes conditions. Parle-toi. Pour mes conditions. Pour remplir mes conditions, c'était quoi condition? Parle-toi. C'est quoi condition? Pour faire plaisir à la reine mère. Pour faire plaisir à la reine mère. Mm-hmm. Donc c'est la reine mère qui t'avait demandé de tuer le monsieur. Mm-hmm. C'était pour quelle raison? Ok, j'arrête ton coup. J'appuie ton coup. Je sais ton coup. Tu vas parler tout. Tu vas tout dire. Je sais. J'appuie ton cou. Tu vas tout dire. Parle. Tu vas tout dire à haute voix. Mmh. Ok. Je laisse ton cou. Parle. Qu'est-ce qui est arrivé avec ton cou? Aïe, la corde. La corde a fait comment? Ça a torturé mon cou. Ça a torturé ton cou. Oui. Est-ce que vous avez vu la corde? Ah. La corde était spirituelle. Ce n'est pas un bataille physique, c'est un bataille. Wow. Vous allez comprendre. C'était pour faire prendre quoi sur le monsieur? Pour lui tuer, prendre quoi? C'était pour le sexe. C'était pour? Son sexe. Parce qu'on prend aussi les organes. C'était pour prendre le sexe de monsieur là? Oui. Son pénis? Mm-hmm. C'était pour arracher? Oui. Quand vous prenez les pénis, c'est pour faire quoi avec? Pour envoyer chez les blancs. Chez les indiens. Chez les indiens. Oui. Ok. Tu as vu pourquoi? C'est eux qui ont tué ton mari. Hein? Oui, pour prendre le sexe de ton mari. Un sexe coûte combien? Ça donne 5 millions. 5 millions. Oui. Le blanc va me tuer. Qui? Le blanc va me tuer. Le blanc va te tuer. Le blanc va te tuer. Oui. Si je te tuerai, mon problème là-bas. Oui. Toi-même, trop fais du mal. Oui. Il dit que le blanc va les tuer. Oui. Le blanc va te tuer. Et les noirs, si que tu as tué là. Tu as peur de blanc. Tu as tué beaucoup de blancs. Le blanc vient souvent physiquement prendre. Ou il vient physiquement. Tu peux lui donner physiquement. Tu lui donnes comment? On parle dans l'esprit. À quelle heure? Minute 30. Minute 30. Donc vous collectionnez les sexes. Mmh. Vous voyagez à l'Hindou. Mmh. Hein? La fois lui-même il vient ici. La fois dernière, c'est lui qui est venu. Il est venu où? Au Cameroun. Oui. Là-bas, Abba Mesingue. Ici, Abba Mesingue. Abba Mboro. Il s'est arrêté au stade. Il s'est arrêté où? Au stade. Quel stade? Bamutos. Stade Bamutos. Arrêtez!
secret d'un beau. Ok. On part au stade Bambutus maintenant. Femme. Donc, il est venu s'arrêter au stade Bambutus parce qu'il y avait beaucoup de gens, non? C'est là où la réunion se passe, non? Combien de gens viennent là-bas au stade pour faire la réunion? Plusieurs. Quand le blanc vient, combien de Mbunda sont là-bas? Plusieurs. Comme combien? Sont nombreux. Comme combien? Pour être mes maçons, surtout les commerçants. Les commerçants font quoi? Ils viennent faire ce qu'ils ont pris. Quoi? Ils veulent ce qu'ils ont pris chez le blanc. Ils viennent faire quoi? Les organes qu'ils ont pris chez le blanc. Ils viennent donner les organes. Avec les sages. Attends, ils viennent donner les organes qu'ils ont pris au blanc. Donc, à minuit 30, chaque Mbunda qui est commerçant, presque 100. Ils viennent avec les organes. Ok. Souvent, un commerçant peut amener combien de organes? Souvent, comme combien? Un seul commerçant. Parfois, combien? Même 10. Arrêtez, comprenez. Amen. Comprenez. Donc, on multiplie 5 millions fois 10. Ça fait combien? À un seul nuit. Donc, et 10 organes là, c'est combien de gens qu'on a tués? Oh, le peuple de Dieu de Bouddha. C'est grave. Je ne laisse pas. Ça! Commence à me donner le nom de commerçant vite! Limpamote. Vous connaissez Limpamote? Hein? Limpamote, on dit qu'il ne vit plus. Oui. Il était mort. Oui. Donc il venait là-bas. Oui. Oui. Le deuxième, donc ces affaires-là, c'est les sexes qui vendaient. Oui. Ok. Deuxième. Monsieur Pierre. Quel Pierre? Le marabout. Ok. Ok, c'est quoi? Ah ça, c'est quoi? Limpamode a détruit notre vie. Il est sous moi depuis, ne sort pas. Je ne suis pas sa fille. Il n'a jamais épousé ma mère. Oh. Il a tué ta mère. Oui. Il avait quelle relation avec ta mère? Je demande à celui-là. Ok. Oui! Oui! Tu es dans la chambre! Nous tous! Ok, tu l'as dit, je l'ai dans la chambre. Mais de votre mère, ne m'accusez pas de votre mère. Voilà le secret qui sort. Tu as enchaîné tous les enfants ici. Tu as enchaîné tous les enfants sinon? Oui. À où? Chez sa mère. Oui. Sa mère était avec vous, hein? C'était le votre membre? Sa mère était mon malade. Ton malade? Oui. Donc, quand elle est venue, pourquoi tu l'as guérie? Oui. Tu as plutôt pris sa famille? Elle est venue. Elle avait. Parce qu'elle n'était pas mariée, elle est venue. Son copain, c'était Libabos. Et sa fille, Chancelie, elle m'avait dit que je fais tout moins possible pour que ce monsieur ne sache pas que Chancelie, c'est ma fille. Quand le monsieur là ne sache pas que quoi? Que Chancelie, c'est sa fille. Que Chancelie, c'est sa fille. Chancelie, c'est qui?
Elle chancelait. C'est elle. C'est elle. Ok, je vais arrêter. Je voulais continuer, mais comme ça amène déjà les choses comme ça, on arrête. Regardez, hein? C'est ici que vous allez comprendre tout le secret de Mbundao. That is the secret there. Ok. Après le professeur, le troisième, le quatrième homme d'affaires, donnez-nous les hommes d'affaires populaires ici que tout le monde connaît. Vite! Que vous partez vendre les sexes ensemble. Vite! Les noms. Le cinquième, parce que tu connais tout. Vas-y. Ce n'est pas moi qui suis. Le cinquième, le quatrième. Le quatrième. C'est ma mère. Le quatrième, c'est ta mère. Oui. Et elle est aussi homme d'affaires. On l'entraînait déjà dedans. Donne l'autre nom. Laisse ta mère à côté. Les grands hommes d'affaires de Mbunda ici que tu connais là. Qui vient là-bas. Donne. Il y a Tani. Hein? Tani. Tani fait dans quoi? Il a les ventes emportées. Le nom de ventes emportées, c'est quoi? Apidé. Quoi? Apidé. Apidé. Vous connaissez les Apidé? Oui. Voilà. C'est vos sexes qu'on vend pour faire Apidé. Il vit encore. Il vit encore. Tani de Happy Devi. Ok. Le cinquième, c'est qui? C'est une femme là qui vend le vin blanc. Elle vend le vin blanc? Oui. Où? Justine. Oui. Qui vend le vin blanc où? Vers Stella. Uh-huh. Où? En ville. Il vend le vin blanc vers Stella en ville. Quel quartier? Vanessingue. Vas-y. Le sixième. D'autres. Il y a une autre à la gare routière. Elle vend le vin blanc. Elle vend le vin blanc. Oui. Au gare routière. Oui. Elle est à Win. Elle est à Win. Oui. C'est un anglophone. Oui. Oui. Vas-y. Il y a d'autres qui vendent toujours le vin blanc. Et je ne connais plus leur nom. Ok. Elle fait comment pour tuer et prendre le sexe? Il lance les maladies. Oui. Quand les gens là meurent, ils prennent le sexe. Oui. Ok. Maintenant, il y a quel grand royaume encore ici en Mbunda que tu connais? Je connais que pour vous. Tu connais que pour vous? Oui. Qui s'assemble au stade Bambutus là? Ok. Votre hôtel au stade Bambutus est où? Au centre ou à côté? C'est juste au centre. Oui. Donc vous faites la réunion là-bas chaque jour? Chaque minuit? Non, c'est même pas chaque jour. Parfois deux fois par mois, parfois une fois par an. Maintenant, quand les gens viennent jouer le foot là-bas, vous faites quoi avec eux? Non, on n'entre pas au stade. Vous n'entrez pas au stade? Nous sommes qu'au carrefour. Vous êtes au carrefour? Oui. Ok. Et maintenant, le blanc là vient combien de temps par an? Il vient plus, mais depuis que Chanceline, elle a commencé de prier, le blanc est parti. Le blanc est parti. Oui. Il n'est plus jamais venu. Il n'est plus jamais venu. Oui. Donc, je vous dis que la seule solution, c'est quoi? Avant qu'il compte jusqu'à 3, tu es déjà parti. 1, 2, Jesus name. Sors! Tu ne sors pas! Sors! Sortez! Au nom de Jésus-Christ. Sanzé!
Ça va? Ça va? Oui. Ça va? Ça va bien. Ton nom c'est qui? C'est que vous chantez. Chanceux? Oui. Oh, tu es libéré. Amen. Tu dis que tu es marabout. Chanceux, tu dis que tu es marabout. Non, je ne suis pas marabout. Pas le nom. Tu dis que tu es marabout. Hein? Je ne suis pas marabout. Et tu as dit que vous faites la réunion là-bas au stade Mamoutous. Qu'un blanc qui vient de chez le blanc. Tu n'as pas dit que vous faites la réunion chez le blanc, avec le blanc. Tu n'as pas dit ça. Hein? Tu ne connais pas. Tu as dit que vous tuez les gens, vous prenez les sexes des gens. Hein? Hein? Tu n'as pas dit ça. Hein? Tout à l'heure, tu n'as pas dit. Sa jeunesse vient d'être née comme ça là. Sa vie commence à partir d'aujourd'hui ici. Parce que les esprits qu'il avait possédés sont partis. Applaudissez pour le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, elle ne sait pas là où elle est. Chanceux, elle est vers où elle est. Finalement, enfin, tu es libéré. Oh mon Seigneur, papa, merci. Je te donne pour toi, oh Qui es-tu? Qui es-tu? Je ne peux pas vous dire mon nom. Je suis quelqu'un qui l'a fait souffrir depuis longtemps. Depuis 8 ans bientôt. Depuis 8 ans. Oui. Je ne te demande pas si tu vas dire ton nom ou pas. Non, non. Viens avec l'autorité de Dieu. Non, non, non. Allô, ça va. Je ne parle pas. Ok. Je ne parle pas. Tu ne parles pas. Je ne suis pas tranquille. Je ne suis pas vivre dans ma maison. Ok. Je suis chemin ici. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Là où tu as couché le feu sur le sol là. Le feu là-bas. Le feu là-bas. Sur le sol là. Le feu. Fire. Ouais. Debout. Debout, tu viens ici. Ouais. Ouais. Viens ici vite. Ouais. 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 Qui dit que tu es qui? Boha. Pardon. Pardon. Non, non, non.
Quel village?
Abacham. Pourquoi vous voulez commencer à réunion? On veut fermer les gens dans la nuit. Vous voulez? On voulait déranger les gens dans la nuit. Vous voulez déranger les gens dans la nuit? Père Jean, oui. Votre réunion là, vous profitez quoi là-bas? On détruit seulement les enfants. Quand vous détruisez les enfants, en retour, vous prenez quoi? Oui. Hein? Donc tu profites quoi? On nous donne seulement un peu de choses. On nous donne un peu d'argent. On vous donne un peu d'argent. Pour augmenter notre capital. Pour augmenter votre capital. Parce que je vends les comprimés. Tu vends les comprimés? Où? À Bacham. À Bacham. Hein? Oui, au marché Bacham. Au quoi? Au marché. Au marché Bacham. Tu vends les comprimés au marché Bacham? Oui. Hein, ma chassant? Avec ta femme? Ta femme vend quoi? Elle travaille au champ. Hein? Elle travaille au champ. Elle travaille au champ. Elle utilise sa part des sociétés pour faire quoi au champ? Elle m'accompagne seulement. Elle t'accompagne seulement? Oui. Ok. Tu étais obligé d'amener ta femme là-bas. Il n'y a pas de problème. Mais sergent, oui. Les comprimés là, tu fais quoi avec pour détruire les gens? Je ne peux pas. Ils vont se sentir le comprimé de pharmacie. Donc tu ne les tues pas pour détruire? Je vends sur mon comptoir. Sur ton comptoir? Pour avoir de l'argent. On te donne souvent combien pour ajouter ton capital? 50 millions. Hein? 50 millions. Voilà, on te voit. 50 millions. 50 millions. Oui, après 2 ans. 50 millions après 2 ans. Oui. Bunda, c'est grave. Avec un petit boutique de comprimés. Mais sergent, quand les étages. Hein? J'ai une deuxième boutique. Hein? J'ai une deuxième boutique. J'ai une deuxième boutique. Oui, là, je... T'as encore quoi? Je n'ai que les enfants. T'as les enfants? Tu prends 50 millions, tu gardes ça où? Je donne le capital à mes enfants. Tu donnes aussi le capital à tes enfants? Oui. Comme combien? Mes enfants n'ont pas une tête pour se camper. Quoi? Mes enfants n'ont pas une tête pour se camper. Voilà, on te voit. Et puis comme mes enfants n'ont pas une tête pour se camper. Tes enfants n'ont pas eu la tête pour se camper. Qui a pris les têtes? Mes enfants, ils sont nus. Ils sont nus. Donc tu donnes combien comme capital pour les affaires? Parfois 2 millions. Parfois 2 millions. Par garçon. Par garçon. Tu as combien de garçons, ma sergent? Ils sont en 4. Ils sont en 4. Ok. Ma sergent, on vous donne l'argent là comment? Chacun bouffe son argent. Voilà, on te voit. Il dit que chacun bouffe son argent. Comment? On vous donne ça spirituellement ou physiquement? Physiquement. Où? Dans notre salle de réunion. Dans notre salle de réunion. Donc, les gens sont assis physiquement comme ça. On compte 50 millions. En deux. Hein? Oui. Avec? Non. C'est vraiment ça. Donc, on compte 50 millions comme ça. En deux. Que quand on ne pas avec. Les gens là sont où? C'est la jambe de nos affaires. Hein? C'est la jambe de nos affaires. C'est l'argent de quoi? Donc, c'est votre royaume qui donne l'argent là. C'est qu'est-ce qui vomit l'argent là, là-bas? C'est le mal aux gens. Voilà où tu vas. Voilà où tu vas. Pardon, je veux parler. Je suis en train de parler. Grand frère, il dit que... Tu m'appelles grand frère. Ton père te passe ma part. Hein? Ton pouvoir est plus fort que le monde. Voilà, toi. Que quoi? Ton pouvoir est fort. Vous n'avez jamais raconté cela, le pouvoir. Ses parents souffrent chaque année avec eux. Depuis bientôt 8 ans. Ils souffrent chaque année avec eux. Depuis tantôt. Donc on t'a jamais découvert. Hein?
chacun fait l'effort de travailler sur elle. Chacun fait l'effort de travailler sur elle. On ne parvient pas. On ne parvient pas. Et qu'est-ce qui est arrivé? Je ne sais pas ce qu'il a amené ici ce soir. Je l'ai empêché de partir. Depuis hier, elle vient ici. Je ne sais pas ce qu'elle vient chercher. Aujourd'hui, je l'ai empêché de venir. Finalement, son père est venu l'accompagner. Elle est ici avec son père. Il est venu l'accompagner. Il a retourné à la maison. Elle est retournée à la maison. Oui, parce qu'il n'était pas en santé. Il n'était pas en santé. Oui. Il a dit que si elle finit, elle a fait. Il doit venir la chercher. Ok. Maintenant, pourquoi tu ne voulais pas qu'elle vienne ici? Mais finalement, elle est venue avec ses voisines. Avec ses voisines? Oui, elle est accompagnée. Ses voisins sont ici. Ok, c'est les voisins là-bas. Voisins, bienvenue. Ok. Donc, c'est grave aujourd'hui. Tu ne savais pas que ce genre de puissance est arrivé. Oui. Tu ne savais pas. Je ne savais pas qu'il y avait des gens forts sur la terre. Je ne savais pas qu'il y avait des gens forts comme ça. Sur la terre. Tu vois quoi pour dire que nous sommes forts? Non, il y a le feu en vous, monsieur. Hein? Il y a le feu en vous. Il y a le feu en vous. Tu as combien d'enfants maintenant à ma sergent? Les enfants. Tu as combien d'enfants? Dans la banque. Je ne peux pas compter, ils sont très nombreux. L'argent qui est en banque. L'argent qui est en banque. Tu as combien? J'ai 30 millions actuellement. Tu as 30 millions actuellement. Avec ta petite boutique de comprimés là. Ok. Donc, quand vous faites le mal, votre royaume vous vomit l'argent comment? On bouffe comme toutes les cotisations. C'est comme ça qu'on bouffe. Avec l'activité ici en Bunda, non? Quand l'activité, tu comprends seulement les 100 millions, 50 millions, la sorcellerie. Ma sergent, oui. Quand je t'ai convoqué, qu'est-ce que tu as vu? Le feu. Parle. Le feu. Le feu a fait comment? Ça va brûler. Hein? Ça va brûler. Dans la réunion. Oui. Les autres membres de réunion ont vu. Non, ils ne savent même pas. Je suis sorti uni. Avant que vous m'avez appelé. Tu es sorti uni. Avant que je t'ai appelé. On n'a pas annoncé même. Dis gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. C'est vous le seul tout-puissant. Pastor Jean, tu as pris quoi chez la fille? Tu vas remettre tout non? Avec ma femme. Tu es relaxé. Je vais comme ça parler. Avec ma femme. Et la épouse de sa mère. J'ai pris son intelligence. Parce qu'elle était trop brave à l'école. Elle était à l'école brillante. Partout où elle passait. Les gens disaient que c'est une fille gentille. Voilà. Et posée comme sa mère. Excusez-moi si je pleure. C'est parce que je regrette. Oui. Ses parents sont simples. J'ai fait à ce que, en tout de la sorcellerie, ma sorcellerie, pour dire que son père est un sorcier. Donc tu as fait plutôt, on a tenté d'appeler son père qu'il est sorcier. Oui. C'est toi qui as fait ça dans la sorcellerie. Oui. Pardon. Tu as fait ça pourquoi? On a tenté de bramer un innocent. La famille le déteste. On dit qu'il est sorcier. On dit qu'il est sorcier. Oui. Ok. N'est-ce pas, certains de vous disent que vous avez la sorcellerie, alors que c'est les vrais sorciers là qui sont en train de plutôt faire ça. Parce que tu avais fait comment pour qu'on appelle son père sorcier? Parle-toi! Quand ma fille était tombée malade, j'ai dit quoi?
la fille disait qu'elle est en train de lui voir. Tu as dit que ta fille dit qu'elle est en train de voir le père de sa fille. Il s'appelle Monsieur Legrand. Quand dit qu'elle est en train de lui voir dans ses yeux. Il s'est allé chez le marabout chez qui ma fille était. J'ai compris, c'était avec lui. Le marabout a dit aussi que c'est son père qui est le sorcier. C'est depuis cette année qu'il y a eu la discorde dans la famille. Assassin, enlève tout ce que tu as fait dans la vie de ce fils. Enlève tout. Tu vas partir, non? Tu pars, non? Je suis déjà habitué ici. Hein? Je suis habitué ici. Tu es habitué là-bas? Ok, donc tu veux rester là-bas? Oui. Je te laisse, tu restes là-bas. Pardon. 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 Hein? Pardon, hein? Pardon. Hein? Tu vas rester là-bas, hein? Tu restes ici? Il faut que je le Tu veux rester ici dedans? Le feu, Vanessa, le feu vient de là. Tu veux rester dedans? Le feu vient de là, ton corps aujourd'hui. Tu veux rester encore dedans? Non. Tu veux comment? Pardon. Pardon, quoi? J'ai envie de partir. Tu as envie de partir maintenant? Oui. Voilà, parti. Ah. Pas avec ta femme. Tu as remis tout ce que tu avais pris. Oui. Tu avais affligé la fille avec quoi? Tu avais mis quoi dans elle? Chaque fois, comme elle reste, elle prend connaissance. Elle prend connaissance. Elle prend le poids. Elle prend le poids. Oui. Donc elle est grasse comme ça, c'est toi qui as fait. Oui, ce n'est pas son poids. Ce n'est pas son poids. Ce n'est pas son poids normal. Toi, c'est qui pour eux? C'est qui? Oui, c'est ma petite soeur. Donc tu la connais? Oui, je la connais. Et tes enfants aussi sont possédés. Oui. Où sont tes enfants? Les deux sont. Laquelle est la peuple? Sarah est la peuple. Et celle-ci. On commence là-bas. Les enfants, c'est qui a possédé? Je ne sais pas. Tu ne connais pas. Assassin? Oui. Tu pars, hein? Je veux partir. Hein? C'est Vanessa que j'ai possédé. Où est Vanessa? Vanessa, c'est où? Vanessa, oui. Avant que je commence à toi, vous êtes combien à elle? Nous sommes à toi. Toi et qui est qui? Moi, ma femme et la cousine de sa mère. Sors. Avant que je commence à toi, tu es déjà sorti. C'est compris? Il y a beaucoup de choses. Hein? Il y a beaucoup de choses en elle. Il y a beaucoup de choses en elle qui t'appartiennent. Comme quoi? Son corps. Son corps. Chaque nuit, je viens coucher avec elle. Spirituellement. Tu viens coucher avec elle? Oui. Et quoi encore? Quand elle arrive à l'école, elle reçoit les connaissances. Elle rentre à la maison. Elle dit, au moment de composer, je la fais oublier. Au moment de composer, elle oublie tout. Oui. Quand tu viens coucher avec elle, il y a quoi encore? Elle passait le concours de l'année, je ne savais même pas qu'elle a composé, c'est qu'elle ne pouvait pas passer. Et quoi encore? Oui. Chaque fois, je la fais tomber entre ses camarades. Tu la fais tomber? Oui. Elle a le tomber. Oui. Oui. Les gens pensent que c'est l'épilepsie, mais ce n'est pas ça. C'est moi qui fais tourner sa tête. C'est toi qui fais tourner sa tête. Oui. J'ai fait que tous ses amis l'abandonnent. Tous ses camarades. Chacun déteste rester avec elle. Parce qu'on la nie qu'elle est malade. Allez, même tout ça, tu pars. Oui. Allez! Vite! À partir de jeudi, je vais partir. Vanessa, je te remets. Alors, Thomas. Vanessa, je te remets ton intelligence, ta sagesse, ton éclat, ta beauté, toutes les chances que tu avais. Je te fais,
Donnez-nous cela. Vanessa, bye-bye. Vanessa, bye-bye. Je m'en vais. Merci Seigneur pour la guérison de ma petite soeur. Clap for Jesus Christ. Regardez un fils comme ça, innocent. On l'a fait tomber. Dis merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ.